va pour toi? Tu dis ou quoi? Attends, c'est le chômeur le plus riche que je connaisse. C'est quoi ton business? Tu crois qu'on sait pas tout ce que tu fais? Regarde, tu laissais ton père, t'es incapable de te prendre en main. Le pire, c'est que t'as un don. Maman, elle t'aurait jamais appris à danser comme elle l'a fait. C'est ça que tu l'utiliserais comme ça. T'as un don. Et toi, tu fais quoi? T'exploites les gens. T'exploites la solitude de ces femmes. Tu sais que maman était comme elle avant, elle était comme toutes ces femmes, seules et cassées. Toi, tu leur prends la seule chose qui leur reste, leurs petites économies. En fait, t'es un vrai crevard. Écoute, je veux bien t'aider à arrondir tes fins de mois. Mais il faut que tu saches que ces femmes, elles ont besoin de rêver, d'être prises dans les bras d'un bel homme. Toi, t'es vieux, alors t'as intérêt à bien danser et à sentir bon. Sois droit, mais pas raide. Les mains en V. Surveille ton axe. Regarde là. Là. Écoute la musique. Et vas-y. Voilà, tu poses ta tête contre son front, tu peux la guider juste avec ton front. Je t'attends. Mais tu m'attends quoi? Bah pour partir. Ah oui. Ouais, mais je suis pas bien à l'aise là, moi. C'est-à-dire? Bah, je suis pas bien à l'aise, moi. Attends, c'est bon, j'ai compris. Maintenant, je le ferai avec une femme. Non, non, t'es pas prêt pour une femme. C'est quoi exactement? Un gigolo? Pas du tout, c'est mieux que ça. Je me suis jamais sentie aussi bien. Il y a Louis, moi, la musique. T'es quoi? Taxi dancer? Mais si c'est que de la danse, pourquoi elle te paye? Elles payent parce que pour une fois, c'est pas leur patron ou leur mari qui leur disent quoi faire. Elles ont le contrôle. Elles choisissent leur partenaire, leur danse, à leur rythme. Ok. Et si elles veulent plus? J'ai pas aux États-Unis pour 2 semaines. Tu peux rester chez moi si tu veux.